Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait une vidéo haul. En plus, c'est une vidéo que je kiffe faire. Mais là, ça date de ouf, je suis trop content. Je sais même pas si on peut parler d'envie. C'est même plus une question d'envie, c'est une question de nécessité. Les petits articles que j'ai achetés récemment, bon c'est pas, il y en a pas énormément tu vois, mais je me suis dit ils sont plutôt cool, j'ai envie de vous les montrer. En tout cas perso je suis trop fier de ce que j'ai acheté. Bon par contre c'est pas trop des vêtements d'été, moi je suis plus un mec de l'hiver, donc j'ai plus pensé à des trucs chauds. Bon on peut dire que ça pense un peu à l'été parce qu'il y a des couleurs dedans, mais clairement c'est pas des trucs que je vais porter en été. Comme d'habitude je vais me décaler pour vous montrer un aperçu porté, parce qu'un haul qui montre pas des vêtements portés, pour moi ça perd 80% de son intérêt. Et je vais aussi vous donner des petits conseils sur le sizing, comment je me sens dedans, etc. Alors on commence avec ce petit haut Adidas que j'ai acheté sur la Redoute. Voilà, couleur je surkiffe, évidemment vous connaissez. J'en ai un en orange et je me suis dit qu'il m'en fallait un rouge, parce que le rouge, l'orange et le jaune, de toute façon je le répète à chaque fois mais c'est mes couleurs préférées. Si je pouvais en choper un jaune d'ailleurs c'est très cool, je l'ai pris en M et perso il me va nickel. Ouais, quand même assez léger on va dire, mais tu sens que c'est de la qualité Adidas, c'est cool. Ensuite on a ce par-dessus, alors ça j'ai pris trop du temps à vous le montrer, mais en fait il y avait une période où l'année dernière, vers la fin de l'année dernière, j'ai acheté que des chaussures, donc ça sert à rien de vous montrer ce par-dessus, enfin je savais pas dans quel contexte vous le montrer. Je vous ai déjà fait plusieurs photos sur Insta avec, mais je voulais jamais vraiment présenté. On dirait que je parle d'une personne. En fait, c'est exactement le noir que j'ai acheté, donc la marque Pier One, enfin Pier One, je sais pas comment ça se prononce, sur Zalando. Il est long juste comme il faut, il tient chaud, il est parfait pour l'hiver. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment pas un haul pour l'été ça, mais c'est des achats dont je suis trop fier, je suis trop content d'avoir acheté ce manteau. Ensuite, on a ce pantalon. Alors c'est un pantalon qui est un peu large, qui est resserrable au niveau du bas, vous savez, vous voyez, on a des sangles ici et je surkiffe le coloris et le motif, j'adore. Je l'ai acheté sur Vinted à 20€. En fait, c'est un pantalon qui vient de la marque Six June et après je me suis rendu sur le site juste pour voir, tu vois, combien on m'avait vendu le truc, et en fait il coûte deux fois plus cher sur la marque, donc je suis trop content de l'avoir acheté. Il est un peu large avec une petite paire de 500 ou même ma nouvelle paire de Reebok orange que je vous avais unboxé, je vous mets dans le petit i. Je pense que ça va vraiment bien passer, je sais qu'on peut le resserrer en bas mais je pense que je vais le garder un peu large, tu vois, juste pour tenter de nouveaux trucs, ça peut bien le faire. Ou peut-être avec une paire de 700 ou une paire de Puma RSX, ça peut bien le faire, une paire grosse tu vois. Donc voilà, un très bon petit achat, je vous mets le lien du Vinted en barre d'infos. Toujours dans le camouflage, j'ai kiffé ce motif pour ce haul. On a cette veste en jean qui est un peu ample, enfin avec des petites déchirures, je surkiffe le style. Alors ça pour le coup c'est pour l'été ou le printemps, hein, pour les saisons chaudes tu connais. Elle est un peu ample, moi j'adore la porter avec les manches retroussées, mais tu peux la porter normale avec les manches comme elles sont de base. Je l'ai acheté sur une marque qui s'appelle Silk, un truc comme ça, enfin je vais vous lister ça en barre d'infos, je me rappelle plus exactement du nom, mais j'avais vu sur Insta sur un influenceur que j'aime beaucoup et j'ai directement voulu l'acheter. Niveau sizing, j'ai pris du M, elle est nickel, elle est top, elle va avec tellement de choses, tellement de couleurs, j'adore. Faudrait que je fasse des petits looks sur Insta pour vous montrer comment je la porte. Donc trop content de cet achat aussi. Et le dernier, c'est mon coup de cœur, donc c'est vraiment le truc dont je suis le plus fier dans ce haul. C'est ce sweat à capuche là. Je l'ai acheté sur Pull & Bear, il me semble, je me rappelle plus où je l'ai acheté. Les motifs, les couleurs, j'adore. Il me faut trop plus de vêtements comme ça. Avec plein de motifs, les couleurs sont juste magnifiques. C'est à base de violet, de orange. J'adore. C'est un sweat qui est plutôt léger, mais tu te sens tellement bien dedans. Il est assez doux à l'intérieur. Moi, je l'ai pris en M. Ah non, rectification. Non, je l'ai pris en L. Top. J'adore. J'adore. Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, on aime ou on aime pas, mais moi, je surkiffe. C'est clairement la pièce forte d'une tenue. Ça fait toute la tenue. T'as pas besoin de faire d'effort quand tu portes ça. Et c'est ça que je surkiffe. Je me vois trop le porter au printemps. Ou peut-être même en été quand il fait un peu plus frais. Donc, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve top. Wesh, en fait je suis en plein montage et je viens de me rendre compte que bon, le sweat, rien à dire, toujours magnifique tu vois niveau design, mais le problème c'est que quand tu portes à l'intérieur, enfin, il va te laisser plein de peluches sur ton t-shirt, ça c'est un peu chiant, mais bon, il est un peu trop beau quoi, c'est obligé qu'il y ait un petit défaut, mais sinon, top, je kiffe. Donc voilà, ce petit haul est terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, portez-vous bien, tchuss.